La Direction Générale des Collectivités Locales, DGCL, a été fortement impliquée dès 2020 dans la préparation et la mise en œuvre du plan France Relance sous l'autorité de la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault. Elle a tout d'abord, dès l'été 2020, analysé la situation des budgets des collectivités territoriales et des finances des collectivités pour apporter, avec le ministère des Comptes Publics, une réponse appropriée de soutien de ces collectivités, notamment votée par le Parlement à l'été 2020. Puis, au moment d'élaboration du plan de relance, elle a travaillé en lien avec le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance pour identifier les dispositifs qui pouvaient être territorialisés, c'est-à-dire programmés, mis en œuvre, déployés au niveau local par les préfets. Une grande attention a été apportée aux mesures portant sur les territoires de la politique de la ville et les territoires ruraux. Enfin, la DGCL s'implique aujourd'hui dans le suivi du plan de relance à travers deux opérations. Tout d'abord, les accords de relance qui sont portés par l'État avec les collectivités locales et qui déploient l'ensemble des mesures sur les territoires, et dans la mise en œuvre effective et budgétaire et qualitative des opérations dont elle a eu la responsabilité. C'est environ 3 milliards d'euros qui nous ont été confiés en suivi budgétaire et qualitatif en lien avec le secrétaire général à la relance. Il s'est traduit au travers de trois mesures différentes. Une première mesure de soutien direct à l'investissement des régions au travers de la dotation régionale d'investissement dotée de 600 millions d'euros et qui prioritairement a visé à financer des projets de rénovation thermique des bâtiments publics, je pense notamment à des lycées, ou des équipements visant à encourager les mobilités douces telles que le vélo ou les transports en commun en site propre. Alors le tout avec un très fort effet levier puisqu'on avait des taux de financement qui pouvaient aller jusqu'à 80% du total des dépenses engagées. Deuxième mesure que nous avons suivie, c'est une mesure qui vise à préfigurer de nouveaux investissements sur les ouvrages d'art des collectivités locales, et je pense en particulier aux ponts des petites communes. Donc pour cela, nous disposons d'une enveloppe de 40 millions d'euros qui, dans un premier temps, va permettre de financer des diagnostics, des études qui permettront aux collectivités locales de mieux cibler les investissements à réaliser dans les années à venir. Et dernière mesure qui, elle, relève d'une logique un petit peu différente, c'est la formation de nos concitoyens aux usages du numérique. Donc pour cela, nous disposions d'une ligne budgétaire de 250 millions d'euros qui, très concrètement, va permettre de recruter, de former et de déployer 4000 conseillers numériques sur le territoire qui accompagneront nos concitoyens, les formeront, avec pour finalité de les rendre plus autonomes dans les téléprocédures, les services en ligne, qu'elles relèvent de la vie quotidienne ou des usages professionnels. Donc voilà, au final, trois mesures qui sont assez complémentaires avec les politiques portées par notre ministère. Je pense en particulier à la couverture numérique du territoire et au maintien des services publics sur l'ensemble des zones rurales, au travers notamment des maisons France Service, et qui par ailleurs s'inscrivent pleinement dans les logiques de transition à la fois écologique et numérique qui sont portées par le plan de relance. La DGCL s'est vue confier la gestion directe de plusieurs dispositifs. Et dès l'été 2020, un premier dispositif était à l'œuvre via un abondement exceptionnel sur une dotation existante, la dotation de soutien à l'investissement local en faveur des communes et des intercommunalités. Avec 950 millions de soutien direct, l'objectif était de pouvoir aider les collectivités à investir en faveur de la transition écologique, de la résilience sanitaire et enfin de la rénovation du patrimoine public et privé des collectivités territoriales. Près de 571 millions d'euros ont ainsi été délégués dès l'exercice 2020, permettant une relance immédiate de l'investissement public en faveur de la relance plus globale du pays. Puis, en loi de finances pour 2021 et dans le cadre de France Relance, la DGCL a obtenu une seconde enveloppe de 950 millions d'euros, destinée cette fois-ci à accompagner plus directement les opérations de rénovation énergétique des bâtiments publics. Ainsi, 650 millions d'euros sont fléchés sur les communes et intercommunalités et 300 millions d'euros sont réservés aux départements de manière à leur permettre d'investir en faveur de l'efficacité énergétique et de la modernisation de leurs bâtiments publics. Les projets soutenus par les fonds gérés par la Direction Générale dans le cadre du plan de relance sont principalement en faveur de la transition écologique et du numérique. On va trouver différents projets, différentes opérations qui sont portées par exemple pour les régions,
en faveur de la rénovation thermique de leurs bâtiments, notamment des lycées, hein, avec l'isolation des toits, des murs, mais aussi des rénovations de lignes de TER. On va trouver au niveau des départements des opérations en faveur de la rénovation thermique de collèges ou de bâtiments des départements qui accueillent les PMI ou des centres socio-éducatifs. Pour le bloc communal, les communes et les intercommunalités, les projets sont plus variés. Bien évidemment, des opérations de rénovation thermique d'écoles primaires, mais aussi de crèches, de réhabilitation aussi de patrimoine privé. La mise en valeur d'opérations notamment en faveur de l'assainissement ou de lutte contre les inondations, ou par exemple la création de réseaux de chaleur.